YouTube, on est sur un écran qui doit commencer à être un petit peu familier, c'est l'écran de Game Over d'Alien Isolation. Et on s'est encore fait bouffer. Notre technique, c'est qu'il nous mange tellement que l'alien devienne gros, et du coup, il soit incapable de passer par les conduits. Bah oui, je suis con, parce qu'en plus, c'est le marqueur du. Je suis tellement stressé que je pense plus au marqueur de. C'est vrai qu'il y a l'objectif qui est marqué sur le. En fait, c'est je range Ripley dans un placard pour la protéger elle et je mets l'écran de veille de la map pour me protéger moi. C'est occupé. Des boutons pour débloquer les portes de l'intérieur pendant X secondes parfois. Ouais. Bah oui, tu m'as vu, c'est bon. Je sens qu'on va passer un mauvais moment. Je le dis. Je sens que ce passage, il va prendre 8 heures. C'est pas par là qu'on est. Oh, ok. Ça a été un peu rapide. Salut. Coucou. Tu veux voir mon alien? En plus, tant pis.
détecteur, il sert juste globalement à dire où est-ce qu'il est, mais comme il n'y a pas la carte et tout, c'est impossible de déterminer. Il est là, quoi. Concentré, oui. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. C'est pas du tout ce que je veux faire. Pars-toi, bordel. Oui, bah alors là... J'ai loupé une sauvegarde. Ah oui, là. S'il y avait une règle de 3 secondes pour fouiller les placards. Sauf que la porte sur le nez, pardon. Ouais, c'est ça, c'est la technique. En fait, l'alien est vulnérable aux portes. C'est pas moi, je suis un placard. Ich bin ein placard. Déteste. Je déteste. C'était là où il fallait d'ailleurs derrière. Ouais, j'ai pas eu trop le temps en fait. Et le temps qu'ils me disent, en fait, ce serait bien que tu te caches. J'ai dit... Vous m'entendez ? J'ai voulu utiliser votre dispensaire, aujourd'hui. Vous êtes mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez ? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui, et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments, surtout quand la station est dans une situation de l'enfer. Précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Il est là le point de sauvegarde. Et pour info. C'est pas moi qui ai un problème. Tolman terminé. Non, il est gentil, comme il doit se dire que je suis vraiment trop nul, il doit se dire, allez, je te le fais moins apparaître que pour les autres. Les patients. Allez. En fait, l'avantage, c'est qu'à force de mourir comme une merde, bah j'ai un peu moins de stress. Un peu. Bordel! Et pourtant j'étais en arrière. J'apprécie peu d'être mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. D'accord. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement interdit. Pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Tolman terminé.
Il était là-bas. Progresse, hein, on a fouillé des salles supplémentaires. En fait, là, ça devient plus de la frustration de ne pas avancer, en fait. Oui. J'aurais dû mettre un compteur de mort. J'ai oublié de mettre un compteur de mort. Quelle indignité. Et à la force, je vais connaître par cœur où est-ce qu'il est le truc. Je vais y aller. J'ai bon, voilà, maintenant c'est là. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispenseur aujourd'hui. Et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. Non, pas bip. On va pouvoir passer par la vue. Le truc. Je le vis bien. Un point de salut. Évidemment, ce serait mieux si t'étais pas dans la dite salle du point de sauvegarde. Quel vieux connard!
Alors j'ai clic droit et arrière enfoncé. Et les fesses serrées et tout ce qui s'ensuit. Elle est carrément passée la tête dans le casier. Allez, tire-toi. Ah mais j'ai relâché mon souffle. Hein. Mais barre-toi de ce coup. C'est pas possible. Ah ouais, j'ai plus de vie, d'accord. C'est bon à savoir, en effet. Non mais on me dit rien, moi. Bon, déjà, on a un point de sauvegarde. C'est déjà ça. Désolé, je parle pas beaucoup parce qu'en fait, j'arrive pas à aspirer d'oxygène par l'anus. Si vous me permettez l'expression. Je crois qu'il m'a vu. Je crois que oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est pourquoi... Vilain, vilain. Putain, ces phases d'infiltration... Je sens qu'on va passer des heures sur ces phases. J'apprécie peu d'être mis sur la touche, Morley. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui, et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments, surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti.
Est-ce qu'on peut dire que si je cours pas, il me voit pas? C'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. Évidemment, la technique de la petite promenade de santé. Non, ça sert à rien de faire ça. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui. La technique de la petite marche. On ne peut pas attendre de moi toujours rempli. Mes obligations, Siling, gardez-vous me priver de mes privilèges. Ah! Oui, bah, coucou, hein. Coucou. Ah, il y a de l'acide. Est-ce que ça passe vraiment à travers le sol? On ne saura pas. Parce que lui me passe à travers la tête. Donc, quand il est au bout du couloir, il a tendance à me voir. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui. Je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations. Siling, gardez-vous me priver de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je sens tellement le coup du truc où qu'on aura fait tout ça pour rien parce que le docteur Mekouille va mourir. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour un coup, c'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. Enfoiré! Vous saviez que cette chose était ici! Non, c'est faux! Je pensais qu'elle pouvait être la nuance! Oh le bâtard! 1702, c'est bon? Maintenant, on descend au dispensaire! Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais dans notre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. L'intérêt de te déposer, Jackie. Dis, ça ne dit rien. De tenter de tirer. Mais oui, mais toujours. Pas de panier facile. Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. T'as intérêt à te dépêcher et pas derrière cette porte. C'est tout ce que je te dis. Ça va trancher, chérie. Où est le souci? Syndicat. Bon, je vais revenir. Oh non, me dis pas qu'il est encore là. Ah, si. Ah, mais un casse-croûte, ça t'a pas suffi? Of course. Laser. Ah, peut-être que ça l'écartera un petit peu.
Chance que ça marche, zéro. Prête ton boucan. Urgent, enquête du Marshall. Franck, il faut que je vous parle. J'ai un cadavre ici qui fait partie d'une enquête du Marshall. Femme, la trentaine, blessure à la poitrine. J'ignore combien de temps les Marshall ont l'intention de la garder ici, mais c'est une situation délicate. Je compte sur votre discrétion et ma confiance sur ce coup. Venez à mon bureau, Lingard. Franck, vos inquiétudes concernant le verrouillage de San Cristobal ont été prises en compte. Je vous assure cependant qu'une évacuation est 100% nécessaire, même si ce n'est qu'une mesure temporaire. Ma priorité est la santé des vivants, alors que vous semblez plus soucieux des morts. Si vous avez des craintes en ce qui concerne les fluctuations du courant, la température de la morgue et l'état du cadavre, ajustez le système de redistribution du fréon, fichez le corps de l'âme dès que possible. Comment ça bip? Ah! Écoute, on va pouvoir tester si le taser ça marche. Sauvegarder. S'il y avait un truc activé là, mais que j'ai raté parce que j'ai paniqué. Pas activé. Nerveuse, bon garçon. Ah. Chambre froide inaccessible à cause de température extrême. Établir le courant. Essayons de le rétablir, tandis qu'il y a d'autres qui sont en train de nous... essayer de nous manger le cul. Cool, les munitions de revolver, on avait déterminé que ça servait à que dalle. Oh putain, le bois. Ça va être l'occasion de tester notre taser. Ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Bah, c'est testé, hein. Ça sert à rien. T'as se tenté. Je veux dire, Oui, ça se tentait. Mais si... Il faut que je redistribue le courant, mais j'ai pas vu d'unité de... Au moment où je peux regarder que mes yeux fermés.
Gigi, ils ont monté. J'ai activé le truc du courant, mais pas le truc de... Ah, d'accord. C'est un peu crade cette blague, mais j'aime bien. Il est froid, il va pas. Mais si. Médical de merde. Oh putain, il va falloir trouver une lampe verte. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Fais-toi plus vite. Bonne chance, Ripley. On vous faisait confiance pendant que moi je prends le rien dans mon coin. Je crois qu'il va se passer un truc. C'est tellement couillu d'avance qu'il va se passer un truc et j'ai pas envie de savoir. Déjà, il y a des placards, c'est mauvais signe. Est-ce que ça me semble comme une bonne idée? Ce que j'apprécierais, c'est que tu te casses.
J'ai bougé et m'a vu. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Fais tout plus vite. Ça me rappelle le médecin dans... Oh, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Bonne chance, et nous sommes de tout cœur avec vous. Bonne chance, et nous sommes de tout cœur avec vous. Ouais, d'accord. Qui m'a suivi, je dis juste qu'il est juste derrière. Allons vers la zone de l'usine. Putain de merde! Oh putain! Oh mais faut jamais me faire ça, ça va pas! Oh putain! Oh bande de bâtards! Oh bordel! Oh ça... Oh putain. Allez, Rory les garde déjà. Servi. Bon, je vous lirai pas les messages, hein. On n'a pas le temps. Surtout qu'il est là. Ton expérience de vie, je suis grandement grâce à ce jeu. Je ne te le fais pas dire. Ouais, je gère. Non, heureusement qu'il y avait un bureau. Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que ce soit bien clair pour les archives.
Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Ah, oh, c'est le monde de l'entreprise, ma vieille. Hein. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis tellement navrée. Ce ransom a l'air extrêmement sympa. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir. La meuf elle se plaint. De soins au bloc opératoire. J'en serais ravi. Je serais encore plus ravi d'avoir un point de sauvegarde. Par là, non, hein. Par là, l'entrée. Est-ce que par hasard tu serais pas juste au-dessus de moi? C'est la question que je me pose. Je suppose qu'on va devoir passer par là à travers. Ça ressemble à un message à caractère informatique. Ouais, la dernière fois avec la choucroute à la cantine, j'ai eu super mal au ventre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une espèce d'œuf bizarre qui est sorti du bide. Ah, c'est sûr, j'aurais pas dû reprendre deux fois des saucisses comme Maurice. Pars-toi de côté parce que là tu m'arranges pas. Mais reviens pas toi aussi. C'est pas moi! J'ai rien fait! Cesse, je cesse de tourner. Allez, mais tire-toi, dégage. Tu vois bien que je suis un placard. Ich bin ein placard. Je t'ai dit. Non, ça a pas fait bip bip. Là-bas, c'est un sac, j'ai l'impression. Du coup, la sortie va être là.
merde. De l'autre côté de la pièce, je devais avoir une porte. J'espère. Et elle est verrouillée, évidemment. Mais il y a un point de sauvegarde. Et ça, c'est bien. Je vais pas vous faire la lecture parce que c'est un peu trop long. Gnagnagna. 25.05. Un jour j'arriverai à me tromper de ce moule. Carte d'accès requise. Évidemment. J'aimerais pouvoir prendre la clé, merci. Jaguar. Ah, une petite référence à Blade Runner. Du meilleur effet, la petite licorne en origami. Pas dans les flammes, c'est safe. Oui! Ah! Lui, c'était un chestbuster. C'est un vrai cauchemar ici, Sables. Il y en a partout. Oh non, putain, pas un droïde maintenant. Ah non, c'est un humain. Est-ce qu'il attaque aussi les humains ou c'est juste pour ma gueule? Ils auraient pu nettoyer, c'est dégueulasse. Je suis d'accord, ces gens n'ont aucun sens du service. L'humain, je sais pas s'il va pondre, mais je sens qu'il va prendre. Il est là. Je crois que j'ai la réponse à ma question. Si j'ai pas été assez rapide, c'est absolument ça. Aïe aïe aïe, ça fait mal au boyau.
Ben, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que moi aussi ça fait mal au boyau. Du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine. Puis, prenez des cachets. Bisous.